In Basenji today, there is a mood of jubilation as thousands crowd the streets in celebration. The first ever democratic election in the People's Republic of Basenji is a success. Notre prochain objectif est la création d'une agence de renseignement. Le but est de recruter des agents pour repérer et infiltrer les camps du FLB, le Front de Libération du Basenji. Des rebelles sont repérés au nord-ouest, dans le désert, à la frontière avec le Tadjikistan. Ce pays est déjà instable et confronté à des rebelles. Peut-être pourrions-nous intensifier la collaboration avec eux. D'ailleurs, un drone russe a détruit une église au Tadjikistan. Il s'agit d'une erreur de ciblage, en raison d'une mission moins précise, tout comme lors de la destruction du centre commercial de Kremenchuk. Dénonçons les agissements des Russes. Cela nous vaudra un soutien des religieux chez nous, et nous pourrons établir de meilleures relations avec notre voisin. Poutine en prendra ombrage, mais vu le peu de relations avec la Russie et le fait qu'ils sont déjà embourbés, parions donc qu'ils n'ouvriront pas de nouveaux fronts. Nos hélicoptères bombardent les insurgés et leurs camps. Notre matériel, bien que vétuste, est suffisamment efficace pour écraser les rebelles réfugiés dans les coins les plus désertiques du pays. Le 13 janvier, une parade est organisée à Majimara, la capitale, pour célébrer les origines de la révolution. Tout cela ne doit pas faire oublier les efforts de développement. Un nouvel hôpital est construit à Soulada afin de répondre aux besoins de la population. Des réformes pour renforcer l'état de droit sont mises en place. Un plan anticorruption est mis en place dans la police. Les salaires sont versés à temps, les officiers plus corrompus sont révoqués, et la justice reçoit enfin les moyens nécessaires pour éviter les procès expéditifs. Tout est fait en sorte pour que la démocratie puisse s'enraciner au Basenji. En mars, le royaume du Zarbil nous invite à améliorer nos relations avec la République populaire de Chine. C'est un de leurs partenaires historiques et un de leurs chevaux de Troie. Nous sommes brouillés avec la Russie récemment et il y a un très lourd passif avec les États-Unis. La Chine est donc le seul autre grand partenaire commercial mondial avec lequel nous pouvons établir rapidement des relations. Une ambassade est construite à Zana, à une vingtaine de kilomètres de la capitale. Nous allons donc essayer d'établir des relations avec la Chine de Xi Jinping. Pour prouver le potentiel de notre pays, nous organisons de grands travaux. La Chine comprend très vite le potentiel de notre pays et souhaite y investir. Un grand port moderne est bâti à Halassa. Ce port doit faciliter le commerce et l'exploitation d'autant de produits pétroliers et de plastique vers la Chine. Les capitaux chinois nous engagent, car un défaut de paiement nous placerait dans une situation délicate. La Chine pourrait légalement s'emparer des infrastructures construites. Grâce au budget excédentaire, nous pouvons construire un réseau routier basique pour relier tous les villages. De nouvelles autoroutes traversent le désert, construites grâce au savoir-faire et au talent particulier, dirons-nous, des ingénieurs du Basenji. Dans ce camp improvisé au Liban, aucune hygiène, aucune infrastructure. Les enfants vont souvent pieds nus. Un millier de personnes vivent ici. Peu à peu, les camps de l'ONU sont évacués. La sécurité alimentaire est revenue au Basenji, alors l'aide humanitaire n'est plus nécessaire. La plupart des bidonvilles sont également remplacés par des HLM pour accueillir les plus pauvres. En février 2024, Adnan Bilal est le ministre de la Souveraineté. Il doit réfléchir à un moyen d'unifier la nation. Les Kharifis représentent près de 700 000 habitants, majoritairement vivant dans une région aux frontières mal définies. Il doit présenter des propositions pour améliorer l'attachement au pays, éviter une scission de notre patrie et améliorer les droits des Kharifis. L'insurrection du FLB s'intensifie depuis les régions frontalières. Nos voisins sont décidément incapables de sécuriser leurs frontières. Ils laisseraient assez de terroristes comme ils le veulent. Nos blindés détruisent plusieurs camions lance-missiles rebelles, abattant leurs moyens anti-aériens. Mais comment les terroristes ont-ils pu obtenir un tel matériel? Alors que nos hélicoptères abattent enfin les insurgés, leurs moyens lourds nous amènent à réfléchir. Un état voisin n'aurait-il pas fourni délibérément du matériel à nos amis pour nous nuire? La piste est à creuser. Nos services de renseignement vont avoir du travail. Peut-être que le Tadjikistan joue un double jeu. Une fois ce camp détruit,
on peut se focaliser sur la politique intérieure. Les fondamentalistes veulent interdire les moyens de contraception. Hors de question de laisser cette bande d'imams, de gens rétrogrades nous ramener en arrière à l'époque des Salman. Notre pays doit aller de l'avant. La diversification des sources de revenus est indispensable. La construction d'hôtels et de stations balnéaires doit permettre l'émergence d'une économie touristique. Nous espérons que les influenceurs vont faire une bonne campagne de publicité pour notre pays. Consécration de cette politique d'ouverture, nous bâtissons un nouveau stade à la capitale. L'économie et la culture du sport international doivent assurer l'entrée du Bazenji dans le troisième millénaire.